Minute. Équipier. La minute de l'équipier. J'ai intégré une entreprise de motoculture, donc octobre 84, près de Melun. J'ai quitté cette entreprise en 97-98 pour intégrer une nouvelle entreprise, une création d'entreprise qui s'appelait GreenMat, qui était une entreprise toujours de motoculture et qui était aussi dédiée à un développement d'une activité sur la Seine-et-Marne, le golf. J'ai quitté cette entreprise en janvier 2001 et intégré Équipe Jardin en janvier 2001, tout en conservant cette activité golf donc, que j'ai développée au fil des années. Le golf, c'est un peu comme Obélix, hein. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. La première entreprise que j'ai intégrée à l'époque a connu ce que certains ont entendu parler, le grand boom des golfs des années 80, où beaucoup d'entreprises japonaises avaient un petit peu d'argent à investir. Et on a aussi cherché à développer cette activité en France par rapport à celle qui existe aux États-Unis ou en Angleterre. Donc dès le départ dans mon métier, j'étais dans ce milieu-là. Il y avait déjà un commercial pro dans l'entreprise qui était très proactif au niveau des golfs. Et j'ai aussi suivi des formations et c'est un métier qui me plaît bien parce que c'est très technique avec des machines spécifiques. Équipe Jardin ! Équipe Jardin ! Équipe Jardin ! Je m'occupe principalement donc de 5 commerciaux pro et de 2 alternants qui sont positionnés sur les départements du Cher, de l'Indre, du Loir-et-Cher et du Loiret. Sur cette couverture, je les anime au travers d'actions, en étant présent au quotidien avec eux, notamment pour des nouveaux commerciaux qui ont intégré l'entreprise. De gérer aussi toute la partie commerciale, toute la partie administrative, les relations avec les fournisseurs, nos fournisseurs principaux, notamment John Deere. C'est un peu l'ADN d'un Christian Puléo aussi.